Peggy 16. Bonjour à tous, c'est Petit Seb et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de d'Alan Wake. Hein? Ah non, c'est un reflet de lumière, j'avais cru voir quelque chose de bleu là-bas. Pour l'épisode 9, alors qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On s'est pris un lapin par le ravisseur, tu restes par ici s'il te plaît, et il nous a donné donc un nouveau rendez-vous. Et on a été coincé dans le complexe minier. On est rentré dans les mines pour échapper au corbeau et... et je suis mort. Non, je suis pas mort, je suis tombé. Voilà. Et donc du coup, on doit sortir de la mine. Et ben voilà, c'est fait. On est sorti de la mine. Donnez un coup de pied. Waouh. Quel homme viril. Ok, nous voilà en extérieur, mais... Petit point de contrôle. Alors, il faut descendre. Apparemment, il faut descendre. Bah, d'abord, moi, je vais grimper. Je vais grimper, je vais voir ce qu'il y a en hauteur. Ok. Alors, j'espère qu'il y a quelque chose d'intéressant. Des munitions, je sais pas. Que dalle. Ah, si, une page de manuscrit. Alors, centrer la vue. Ok. Alors, Thor frappe l'infirmière Sinclair. Thor? Des éclairs illuminèrent les fenêtres de Cauldron Lake Lodge. Thor Anderson rit et leva le marteau d'acier au-dessus de sa tête. L'infirmière Sinclair tentait de le calmer en vain. Thor grimaça et hurla « Mon marteau t'attend, viens tâter du grand Mjolnir, traîner !» Il abattit le marteau de toutes ses forces sur la tête de Sinclair. On fait notre grand comeback, poupée. Oui. Ah, j'en ai raté. Alors, j'essaie de réfléchir si on a déjà vu Thor. Ah, bah, je suis passé à côté des feux à main. J'allais dire fusées à main. Est-ce qu'on a déjà vu Thor? Ah, je me demande si c'est pas les vieux qu'on avait croisés au tout début. Ouais, donc là on va pas aller plus loin, sinon à mon avis c'est la chute assurée. Déjà que sur le plancher des vaches c'est pas tip top. Bon, alors en plus si je m'approche du gouffre, ça va faire mal. Ouais, il en peut plus, le petit Alan. Au moins, si sa carrière d'écrivain tombe à l'eau, il peut toujours se mettre à l'athlétisme. Là, il a eu un sacré entraînement. Non. Barrez-vous. Alors, du coup, je vais changer. Non, c'est bon, ils sont partis. On va essayer de tendre l'oreille, hein, on sait jamais. Allez, on va démarrer. Ah, ça faisait longtemps, ça, le petit QTE. Voilà, avec une petite loupiote.
Un petit point de contrôle. Bon, ça va, la vie. Il y avait de quoi faire. J'ai pas confiance. Oh, on va quand même y aller, hein. Là, ça sent les corbeaux. Là, c'est sûr. Aouh! Aouh! Alors je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais. Au moins il s'approche pas. Ah, il s'approchait pas. Ah, il veut pas aller plus vite là, ce tas de... Hein, on va rester poli. Ah, lui c'est bon. Non! Mais non! Allez, il reste plus grand chose là. Il reste plus grand chose. Ok. Bon, c'est moins catastrophique que j'aurais. Ah. Allez, recharge. Ah, mais ils étaient que deux. Eh ben, yonk. On est plus nombreux la prochaine fois. Non. Je vais peut-être me taire. Je risque de le regretter. Oh, les bûcherons, là. Vous allez vous calmer. On a besoin d'arbres. Oh, les... Non, 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 non. Tu vires, tu vires, tu vires. Non, c'est bon. Il tombe plus? Non, ça a pas l'air. Par là, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, un cul-de-sac. Ah, des munitions pour le revolver, ça c'est bien. Et les piles, je suis toujours complet. Ah, mais le flingue aussi, je suis complet. Alors... C'est quoi ça? Ok. Voilà. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Donc ça c'est bon. C'est un peu vaste ici. Ah. Y aurait-il un brouillard quelque part? Ah, la carabine. Mais oui, derrière moi, bien évidemment. Voilà. Ah, j'avais dit que j'allais l'utiliser. Hein. Je vois que dalle, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres? J'ai de la mine, hein. Olé, oh là 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 là. Vire. Voilà. Voilà. Et on recharge. Il y a l'air d'avoir encore du monde. C'est quoi ça comme arme? Munition carabine. Voilà. Allez, on va tâter de la carabine. Bonjour, messieurs. Hop là, si j'arrive à les viser correctement. Voilà, vire. Ah. Voilà. Hop là, toi t'as eu de la chance, tiens. Ah ben non, je l'avais pas éclairé encore. Voilà. On va reprendre mes fusées, mes feux à main.
On va peut-être avancer parce que je sais pas s'ils viennent à l'infini ou pas. Allez, on avance, on avance. Non, non, non. Voilà. Non, j'ai dit toi là. Voilà. Aouh. Oh. Alors, qu'avons-nous ici? Munitions revolver, ok, et carabine, fusée éclairante et des piles. Et les piles, je suis déjà complet. Codron Lake. Codron Lake, huitième lac le plus profond au monde, est un lac de cratère formé dans un cratère volcanique. Le volcan lui-même peut être considéré comme actif, mais il n'est pas entré en éruption depuis les secousses sismiques de 1970. Même à cette époque, l'activité souterraine était très faible. Malgré des dégâts matériels, il n'y eut aucune victime. Codron Lake est l'un des plus beaux endroits des environs de Bright Falls, ainsi qu'un lieu essentiel dans de nombreuses légendes locales. Il s'agit d'une zone de loisirs très prisée des habitants. Ok. Bah c'est ça Codron Lake? Ah non, on doit pas y être encore. Ok. On va traverser, mais encore une fois, je le sens pas. Ok, il veut pas courir. Il veut pas courir. Cours, Forest. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y en a un qui va couper la corde au fond. Aïe! Allez, cours, Forest! Cours! Avant qu'il y en ait un qui s'amuse. Voilà, j'avais bien. J'avais vu dans la cinématique qu'il y en avait un derrière. Tiens, vire! Ah, puis en plus, c'est un gros, lui. Ah, il charge en plus! Non, mais c'est pas. Oh! Vire! Merci! À cause de toi, j'ai usé une pile. Bon, je suis à 19 en même temps. Hein. Ah, si, oui, j'entends la respiration maintenant. J'ai vu les loupiottes, la petite flèche, quoi, la peinture qui luit au contact. Ah, bah, j'ai bien fait de les utiliser, mes fusées à main. Fusée ramassée. On va recharger l'arme. Voilà. Alors, on va peut-être reprendre le flingue, là, maintenant que j'ai le plein. Je suis à 42 munitions. Ah bah oui, mais ça me ramène ici. Je suis bête. Alors, où va-t-on, baryton? On va par là. Ou pas. Le pont, il est cassé. Et ici, j'ai vu une petite note. Allez, manuscrit. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Mott à Codron Lake. Mott avait fouillé tous les chalets alloués de Stucky. Il n'y avait aucune trace des Wake. Il faisait noir lorsqu'il trouva leur voiture garée au bout de la route près de Codron Lake. C'était dément. Ils avaient dû se tromper de chemin, mais il n'y avait aucune trace d'eux et la voiture était là depuis des heures. Frustré, Mott se tenait sur les vestiges pourris de la passerelle menant jadis à Diver's Isle avant que celle-ci soit recouverte par l'eau. Le patron ne serait pas content. Oui, mais c'est qui Mott? Il y a des noms, j'ai pas la sensation. Alors, soit je me souviens plus, ce qui est fort possible aussi. Ou alors il y a des noms qu'on ne connaît pas dès le début. Grimper par là? Ouais, un petit coup de pied. Ah oui, on peut pousser. Ouais, mais du coup, je me demande si c'est pas la suite de l'aventure. Bah si, ça l'est. Parce que ici, il n'y a que dalle, à part une chute, à se briser le coccyx. Allez, avance. Donner un... Ah ok. Hey. Ah la jolie maison. Bien évidemment, je pense qu'elle va être habitée.
Là, j'essaie de faire le tour. Hein. Ah, j'ai bien fait de faire le tour. Ah non, les boules, elle est derrière. Bon, faut rentrer. Hein. Ouais. J'ai vu la petite porte en contrebas et j'ai l'impression, ouais, il n'y a que celle-là. Par là qu'on peut passer. Ici, ils ont muré la porte d'entrée. Encore les habitants qui voulaient pas être dérangés. Coucou, c'est moi. Un petit cœur. TZ Thomas Zane. Tom et Nana. tu me manques, Tom. Tu me parles à travers la télé, Tom. Tu mens, did you? Oh, je vois pas avec la lumière. Write this. As-tu écrit ça? Tom. Et ici, Curcio Thomas Zane. Ok. Bon. Comment s'appelait Barbara Jagger? Non, ça fait BJ. Ah oui, c'est vrai, c'est Bach. BJ et là, CW. W ou M? Ah, on dirait un W. J'ai du mal avec la lumière parce que moi, du coup, l'écran, il est quand même assez. La lumière éblouit. Alors, j'ai toujours pas commencé les rendus, du coup, je sais pas trop comment ça va se passer. Munition de revolver. Ah oui, mais je suis plein. Ah, c'est pas la peine de les shooter, hein. Fusil de chasse. Ah, ça, par contre, je suis pas plein. Je prends. Alors. Des feux à main. J'en ai quand même pas mal gaspillé avec les piafs. Je suis à. Ah bah, je suis quand même à 11. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Munitions pour la carabine. Je prends. Ah, et dis donc. Ok. Bon. Va falloir faire un peu la toiture. Hein. Ok. J'ai rien dit. La toiture, vous la laissez comme ça. Oh. Yeah. Toi là. Ah, il était. Ok. Il est encore protégé. Ah! Laissez-moi tranquille. Voilà. Alors la caméra qui tourne comme ça, c'est pas moi, hein. C'est lui tout seul. Mais alors pourquoi tu m'as éclairé le bas là? Ils sont où? Ils sont là-bas. Ah, il était pas. Toi, tu vires. Voilà. Non. Ah, je savais qu'il était derrière moi. Je voulais juste. Ah, lui d'abord. Hop là, petit feu de détresse là. Hein? Ils vont se calmer les cocos. Sinon, moi je vais leur. Tiens, je vais leur tèche une greue. Allez, la greue. Non! Voilà. Voilà. Ouais, bah, disons, c'était pas glorieux. Hein. Du coup, j'ai plus de greue. J'avais 11 feux à main, il me reste plus que 5. Bon, allez, cette fois on retourne en hauteur. Et on va essayer de pas se casser la gueule. Ouais, on va redescendre par là. Hop! Oh, c'est bon. J'ai bien cru me faire mal.
Mon petit café, hein. Comme ça, je suis pas venu pour rien. Je vais peut-être recharger mon fusil. Et au niveau du flingue aussi, on va le recharger. Et j'ai encore oublié que j'avais ces fusils de détresse. Je vais dire fumigène, mais pas du tout. Alors, par où on passe maintenant? Par là? Ouais, par là. Je pouvais voir Cauldron Lake. Je pensais pouvoir distinguer l'endroit où s'étaient trouvées l'île et le chalet. Il y avait une lumière à proximité, sûrement un bateau. Ouais, un petit bateau. Bah écoute, on va y aller, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller sur un bateau. J'y étais presque maintenant. Il fallait que je me dépêche, mais je redoutais de savoir ce qui m'attendait. Ouais, t'inquiète pas, on va savoir ce qui va t'arriver. Wake se réveille à la clinique. Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je tentais de m'accrocher à Alice, mais elle s'effaçait. Je perdais les pédales. Le docteur Hartmann se tenait à sa place. Je voulus le frapper, mais j'étais sans force. Il sourit. C'était un sourire apaisant, et je le détestais pour ça. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne résistez pas, vous venez de faire une autre crise. Pour l'instant, il est crucial que vous vous calmiez. Il ne faudrait pas déclencher une autre crise. Vous êtes un patient de ma clinique, et cela depuis un moment maintenant. Ok. Alors, est-ce que en fait, on est dans justement, il a enfermé dans une clinique, il a fait une crise, et pendant sa crise, il s'imagine tout ça. Il est bizarroïde, ce petit Alan Wake. Il est un peu malade dans sa tête. Bon, par ici, il n'y a rien, donc il faut suivre le chemin. Hey, je suis là! J'arrive! Ok, c'est la fin de l'épisode 3. D'accord. Ok, donc en fait, il n'a jamais eu la femme d'Alan. C'était un mytho. Mais par contre, la dame noire, je sais plus comment il l'appelle, l'ombre noire. Je sais pas qui c'est là. Il y a eu un petit flashback. Ça donne l'impression que c'était celle qu'il y avait dans le tout premier épisode. Quand on récupère les clés. Précédemment dans Alan Wake, je suis traqué par la police. Shérif, je suis en train de poursuivre Wake. Vous voulez me faire croire que cet intello d'écrivain a descendu mes adjoints? Un thriller que je suis censé avoir écrit devient réalité. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. On m'a dit qu'Alice avait été enlevée, mais c'est faux. On n'a pas sa femme! On sait même pas où elle est! L'ombre noire a dévoré son prétendu ravisseur avant de s'en prendre à moi. Alan. Chut.
bébé. C'était juste un cauchemar. Alice. Détendez-vous, Alan. Hartman, je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi ? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes un patient de ma clinique et depuis un bon bout de temps. Le décès de votre femme a déclenché vos troubles mentaux. Non, vous mentez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie indifférenciée. Tout va bien, Alan. Tu es. Laissez-vous aller. Je me sentais sonné, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre, que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser, de me concentrer. Ok. Apparemment, ça y est, on y est dans la clinique. Bonsoir, Alan. Vous vous sentez mieux maintenant ? Plus détendu ? Ouais. Je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterais d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur. Bon, et si vous veniez avec moi ? Je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade ? Oui ? Ça vous fera du bien. Ok, on va le suivre, hein. Puis on s'arrêtera après. Ce couloir est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. Alors, avant d'aller dans l'ascenseur, excuse-moi, je fais un peu le tour du propriétaire. Ok. Anderson. Ah, on peut pas y aller. Bon, j'arrive, monsieur. Écoutez, Alan, mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire. Alice est morte. Non. Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Par ici, Alan. Ne voulant pas d'autres injections, je fis semblant d'y croire. Il mentait, forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé ? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Ouais. Je suis pas sûr. Hein, parce que là, je regardais. Il a encore sa blessure à la tempe, là. Hop, si j'arrive. Voilà.
Donc je suis pas sûr que ce soit un rêve. Hein. Ah, je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulant, n'est-ce pas? Cauldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. Alan, tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant, vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant? Il est tout à fait normal que vous voyez en moi un ennemi. C'est dû à la maladie. Je le laissais parler. Hartmann aimait manifestement s'entendre parler. Ses paroles retentissaient avec violence dans ma tête. J'enfonçais mes ongles dans la chair de mes paumes pour rester concentré. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison. Venez, allons à l'intérieur. Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. J'aime beaucoup chasser. Le grand air, l'homme face à la nature. C'est fantastique. Sacrément fantastique, ouais. Ouais, par contre, la déco, moi, je la trouve un peu à chier. Peur. Merci. Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. Je vous en prie, Emerson. Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur, mais on choisit pas quel genre de rêve on fait, ni quand on les fait. Emerson. Ok, ok. Désolé, désolé, désolé. Bouh. C'est Emerson. Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui. J'en suis ravi. C'est un créateur de jeux vidéo. Des bêtises sans conséquence, mais ça nécessite néanmoins une once d'effort créatif, ce qui le rend réceptif à mes méthodes thérapeutiques. Sans blague. Eh ben dis donc, il y en a beaucoup, ils ont bien leur place ici, hein. Toi là, regarde-moi différemment là. Bien, vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. Alors, bienvenue à Cauldron Lake Lodge. Nous sommes là pour vous offrir l'aide spécialisée dont vous avez besoin. Cependant, veuillez suivre la procédure. Demandez à vos proches de prévoir leur visite afin qu'ils n'interrompent pas votre thérapie et vos périodes de créativité. Respectez également la vie privée des autres patients et leurs espaces personnels. Surtout lorsqu'ils sont en plein processus créatif. En général, nos patients souffrent de problèmes de créativité durables qui ne se résolvent pas rapidement. Accordez-vous le temps nécessaire. N'oubliez pas que vous recevez volontairement des soins spécialement adaptés à vos besoins. L'engagement thérapie et sa méthode associée The Flow fonctionne mieux lorsque vous vous impliquez pleinement. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part. Ok. Toi, je vais te mettre un coup de latte. Regarde-moi différemment. Mes rhumatismes se réveillent. Une tempête approche. Oh, et quelle tempête! J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80, les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieux vikings. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici.
À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas ? J'aimerais lui exploser la tête à coups de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il sait rien du tout. Il est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais ! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé ? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zane, t'es un type bien, Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot. Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Bah, là, là. On a écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces pourritures. Je reprenais mes esprits, où, du point de vue d'Hartman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait, et ce de A à Z. Fou ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. Tom, t'aurais pas un peu de gnôle sur toi ? Ouais, non, désolé les gars. On a planqué notre jus perso à la ferme. C'est une recette maison avec des ingrédients du coin. Un vrai remède qui réveille l'esprit et aide à se rappeler comme... comme des rayons de lune sur le crâne. Oh, je viens juste de remarquer, t'as des pièces en cuir au niveau des coudes. C'est pas très rock'n'roll. Tom est perdu, c'est tout. Baba Yaga l'a eu, lui aussi, la sale sorcière. Elle a abusé de nous, elle nous a volés. Elle a pris mon éclair, la sorcière. Et mes corbeaux, comment ils s'appelaient ? Memory et Thought. Vieillard. T'as pris quelque chose à toi aussi, pas vrai ? Elle fait toujours ça. Oh, c'est pas plus mal. Cet endroit, le lac, donne du pouvoir. Si on est un créateur, un artiste, un dieu. Nightmare shifted in the sleep, in the darkness of the lake. Ah oui, c'est celle-là. Elle fait en sorte que tout soit faux et déformé. T'as qu'à demander à la dame à la lampe. Elle sait ce qui est arrivé à l'autre écrivain. Elle s'est servie de toi, fiston. Et tu l'as laissé faire. Et allez lui ouvrir la porte, hein. J'ai pas raison. Ça va. Elle était déjà entrouverte. Et la faute à qui, hein? On est des vieux imbéciles, malades et pourris jusqu'à la moelle. C'est pas pour autant qu'il devait l'ouvrir en grand, bon sang. Ah. C'est bon, vous avez fini ? Ah ! Alors, les écrits de l'assistant de Thomas Zane. Zane sentait les poèmes prendre forme et modeler des choses. Tandis qu'il écrivait, il s'imaginait qu'il pouvait presque sentir la puissance dans les touches de la machine à écrire. Cela le grisait, mais l'effrayait aussi. Si son jeune assistant, Émile, n'avait pas été là, il aurait abandonné. Mais Émile sut le convaincre. Lui aussi savait s'y prendre avec les mots. Ok. Bon. Ouais, c'est bon, arrêtez. Vous me saoulez, donc ça c'est fermé. Alors, on va essayer de retourner dans la chambre en espérant avoir. Ouais, heureusement qu'il est pas du genre à paniquer pour rien. Oh, tais-toi, toi. Quelque chose ne va pas. Je ne suis plus moi-même. J'ai du mal à penser. Il y a comme une ombre dans ma tête. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chalet depuis 4 jours, mais dehors, tout n'est qu'obscurité. Mon éditeur est réel, je l'ai revu. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombre. À la place de son cœur,
Il n'y a qu'un trou béant. Je crains d'avoir commis une terrible erreur. J'en suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait. Et l'histoire deviendra réalité. Ok. Bon. On va vite retourner dans notre chambre. Wake. Voilà. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se calme. Posez ça. J'ai besoin d'aide. Hey, Wake, restez ici. Je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire et restez cool, ok? J'ignorais quelle était la cause du chaos ambiant, mais c'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. Oui, eh ben on verra ça plus tard. Voilà. Alors, chercher d'où vient le boucan. Après avoir vainement tenté d'écrire, Wake se rend compte que les Anderson font du boucan. Il en profite pour essayer de se glisser dans le bureau d'Hartman. Ok, bah on a déjà notre prochaine destination, mais on va s'arrêter là. Ils me font rire les deux vieux. Pour cet épisode qui au final, je pensais qu'il allait être court, mais là on est déjà à près de 40 minutes. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc là on en a quand même un peu plus. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite des aventures d'Alan Wake à la clinique de Brightfall. Allez, ciao ciao, bye bye.